Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Commodore 64 Mania, la chaîne dédiée à 100% au Commodore 64. Alors vous vous rappelez, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le système Power Saver, qui est un petit module qui s'installait à l'intérieur du Commodore 64 et qui permettait de le protéger contre les hausses de tension. Donc eh bien, il me restait un petit module, j'en avais acheté deux, il me restait un petit module, donc je me suis dit pourquoi ne pas faire la même chose mais dans un boîtier en externe, ce qui permettra de pouvoir l'utiliser avec plusieurs Commodore 64 différents. Voilà. Donc eh bien, je vous invite à me suivre dans mon atelier pour l'installation. C'est parti. Alors, de quoi allons-nous avoir besoin pour faire ce petit montage? Alors déjà, un boîtier. Donc voilà, un petit boîtier. Ensuite, on va avoir besoin forcément du Power Saver. Je vais brancher une petite LED qui va s'allumer quand le Power Saver va se mettre en route. Donc je vais déporter ici une petite LED à cet endroit là que je vais mettre en façade ici. Ensuite, on a besoin d'une prise d'in femelle 7 broches. Ensuite, j'avais ça dans mon stock, je me suis dit ben, je vais l'installer avec. Ça, c'est un petit voltmètre mini qu'on trouve sur AliExpress à moins d'un euro. Donc je vais installer ça. Et puis j'ai une alimentation, une vieille alimentation de Commodore 64 qui est HS. Voilà, donc je vais récupérer le câble, un petit morceau de câble. Et je vais récupérer l'embout. Et puis cette fiche, eh bien, je la ferai sortir du boîtier. Comme ça, et puis ça ira se brancher directement sur le Commodore 64. Alors pour faire simple, on va commencer avec notre boîtier ici. Donc on va avoir une fiche DIN femelle en entrée. Ici ensuite, on aura le Power Saver qui va rentrer là. Et ici, je vais couper le câble comme ça. Et on va ressortir avec une fiche comme ça. Voilà. Donc grosso modo, si je fais le schéma, ici on a notre fiche DIN femelle, voilà. Ici on a la fiche de récupération de l'ancienne alimentation ici. Donc grosso modo, ce qu'on va récupérer ici, on va l'envoyer là-bas. Donc là, ici, on a le 9 volts alternatif. Donc là, ici, 9 volts. Donc là, il n'y a pas de polarité, hein, on s'en fiche. Là, hop. Je vais faire comme ça, c'est plus simple. Là. Alors maintenant pour le 5 volts, ici on a la masse, ici on retrouve la masse. Là ici on a le plus 5 volts, et ici plus 5 volts. Voilà. Notre power saver ici. Là on a les pads 1, 2, ici 3. Donc celui-là c'est le... l'entrée 5 volts. Alors ici sortie, et ici on a la masse. Donc ici on va relier la masse là. Alors, on va récupérer la masse, on va repiquer ici. Voilà, le plus 5 volts on va l'amener ici. Et ensuite, on le fait sortir ici. Et on le met ici. Voilà.
Donc là, c'est le petit montage très simple. Alors moi, je vais rajouter ici le petit voltmètre. Alors le petit voltmètre, c'est simple, on pourrait soit le mettre ici. Dans ce cas-là, on aurait exactement la tension que l'alimentation va sortir. Mais moi, je vais le mettre ici plutôt. Parce que comme le power saver consomme un petit peu d'énergie, étant donné qu'il y a des résistances... là, il y a des résistances, donc forcément, il y a une consommation d'énergie. Donc la tension qui va rentrer ici ne sera pas la même que celle qui va sortir et qui va aller alimenter le Commodore. Donc moi je veux avoir la tension réelle qui va rentrer dans le Commodore 64. Donc eh bien, je vais le mettre en sortie. Donc on va le mettre ici. Voilà. Donc je vais le repiquer là ici. On peut le mettre ici, c'est pareil. Voilà. Tac. Voilà. Tac. 0 volts. Donc ici, ça sera le plus, et ici, ça sera le moins. Voilà. Donc voilà notre petit montage. Voilà ce que ça va donner. Donc tout ça, ça sera cette partie-là, elle sera intégrée dans le boîtier. Voilà, celle-là ici, tout ça. Donc ça fera à peu près ça. Donc, si je fais comme ça. Hop. Ici on aura notre power saver. Voilà. Notre prise DIN. Voilà. Donc là on aura l'alimentation. Hop. Voilà. Qui sera relié au secteur. De ce côté-là, on la branche ici. On a nos câbles. Hop. Ici, ça sera le câble qu'on a récupéré du vieux transformateur. Donc, comme ça, voilà. Ensuite, un ici, hop. On récupère la masse, hop, voilà. On va récupérer ici, hop. Le courant pour notre petit voltmètre. Voilà. Et ça va aller directement au Commodore 64. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà notre schéma, tout simple. Et oui, aussi j'avais oublié de vous dire, je vais rajouter une petite LED. Alors la petite LED, je vais la repiquer sur ici, il y a déjà une petite LED ici. En CMS, moi je vais essayer de repiquer des tout petits câbles là et puis mettre cette petite LED dessus et puis la remettre directement là. Donc là pour la LED, c'est juste un petit repiquage sur la LED existante. Voilà, ici, tac, hop, voilà. Bon, allez, place au montage.
vais couper ici mon câble de sortie. On va pas prendre un truc trop grand, on va couper à peu près ici. Voilà. Tac. Ça c'est le 9 volts alternatif et ça serait bien le 5 volts. On va vérifier. Donc je vais mettre ici. Alors celui là ça correspond à quoi? Voilà. Alors celui-là, le bleu, ça serait la masse. Tout de suite. Ensuite, le marron. Ça, le marron, c'est le plus 5 volts. Plus 5 volts. Et en même temps, comme ça, ça me permet de vérifier si mes continuités sont bonnes. Ici. Ok. C'est le 9 volts alternatif. Donc. Et ici, on a l'autre. Parfait. Je vais rallonger mes câbles parce que là je sais pas si j'aurai assez de mou pour faire tout ce que je veux. Voilà. Première chose à faire quand on fait les soudures, c'est étamer le bout des fils. Comme ça, ça va mieux prendre quand on va les souder. Hein? Et voilà. Bon, alors, donc bon, j'avais pas de fil marron, donc j'ai pris du vert pour le plus 5 volts et j'ai gardé le bleu pour la masse. Donc je vais commencer par mon 5 volts. Je vais essayer un truc tant que j'y suis. Je vais mettre de la gaine thermique. Hein? Allez, c'est parti. Hein? Je vais mettre la masse maintenant. Ça m'a pas l'air trop mal ça.
va faire maintenant les câbles pour le 9 volts alternatif, voilà. Qui lui, je le rappelle, n'est pas protégé par le power saver. Voilà. Voilà. Ici. Là, je vais déporter une petite LED, donc ici, elle est là. Donc je vais mettre un tout petit câble ici, là, et un autre petit câble ici, et puis je vais brancher une petite LED, comme ça. Bien, quand il y aura un problème, et bien on aura une LED qui va s'afficher à l'extérieur du boîtier. Alors pour ça, je vais prendre du fil tout fin, on appelle ça du fil à strapper. Comme ça, ça me permettra d'avoir des soudures minuscules. Comme là, c'est déjà tout petit, comme c'est du contact CMS. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon câble ici, hein, de chaque côté, tranquillement, sans mettre trop de soudure. Et voilà. Parfait. Alors, la masse. Tac. Là maintenant, je vais procéder à l'installation de notre petit vue-mètre. Donc je sais pas où je vais le mettre.
Un petit peu de colle chaude. Alors, celui-là, on va le manger là. Là. Et cette partie-là, on va la mettre ici. En sortie. Alors maintenant, on va essayer de trouver une place à l'intérieur du petit boîtier, chose qui ne doit pas être aisée. Ça, c'est clair. Thank you.
Et voilà. Ça y est, c'est bon, ça fonctionne très bien. Voilà. Et on voit mieux. Et voilà. Alors si on la branche en même temps sur un Commodore 64, normalement, on devrait encore perdre un petit peu en voltage. Et voilà. Et donc ça tombe à 4,90. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Nous avons maintenant notre power saver externe. Bon, c'est pas sa fonction principale, hein. On sait tous, hein, sa fonction principale c'est bien d'être logé dans le Commodore 64 et en faire partie intégrante. Moi il m'en restait un, donc je me suis dit pourquoi pas en faire une version externe et puis en profiter pour faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, le petit power saver nomade que l'on peut transporter partout, même en voyage. Non, je rigole. Si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et puis rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao !